Salut tout le monde, c'est Lot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo de Pokémon Mind Crystal. Nous voici donc à Céladopol pour aller affronter Erika, la fameuse reine des plantes. Cette fameuse arène où il y a plein de filles. Ouh. Toujours un sacré moment. Et au niveau de l'équipe, bah, il faut qu'on se trimballe avec Krabby, qui a coupe. Krabby, oui, en effet. Donc bon, bah, on va faire au mieux, hein. Mon Scorplan n'est peut-être pas le meilleur lead, j'avoue. On va plutôt mettre Typhlosion, Luxray, et Crougivre, je crois. Ça peut être bien aussi pour lutter contre les plantes. On voit rien du tout ici. Ah, on va où? Ah, j'ai trop du mal. Ok. Mais quel moment toujours grandiose. Ah, mince, premier combat. Ok, très bien. Voyons voir. Floraval, ouh, pauvre Floraval, il va avoir tellement mal avec le Crougivre. Allez, hop. Le pauvre Floraval, il va disparaître en moins de deux. Bon, voilà pour passer les gros Pokémon plantes. Ah, Parasport! Sérieusement, oui, bon. Pivol! Bon! D'accord, ça m'a l'air vachement bien. Non, sérieusement, pour passer les Pokémon type poison, on a toujours Alakazam qui est là pour faire le taf. On a pas mal de Pokémon avec des moves glace suite au combat contre Peter. Ça, normalement, ça va nous aider. On a toujours Typhlosion avec ses gros moves de type feu, stabé. Le problème, c'est que vu que là, il a le double type feu-sol, il va être que neutre face au type plante. Donc, un potentiel défensif un petit peu moindre. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. On va essayer de nettoyer de soigner la paralysie, parce que c'est quand même pas cool. J'ai pas d'antipara, bah ça va être un total soin, après tout c'est fait pour. Voilà, Luxray qui est soigné. Très bien, ok, je peux aller là. Là, le combat double. Face aux deux petites filles. Un Pokémon chacun, très bien. Ampiflore et Rafflesia, parfait. Par contre là, j'ai pas forcément grand chose pour taper. Je vais Crougivre sur... Allez, sur Rafflesia, et on va switch de l'autre côté Typhlosion à la Kazam. Allez, Typhlosion. Voilà. Abri sur Ampiflore, très bien. Et le Crougivre qui part sur Rafflesia. Donc on aura fait un bon trade. Le Parasport qui miss, très bien, ça nous arrange. Rafflesia et Focus, et le Lance-Flamme sur l'Ampiflore, voilà. Alors, voyons voir les dégâts. Plutôt cool. D'ailleurs, je me faisais la réflexion, peut-être qu'il faudrait que je mette les lunettes choix sur Typhlosion pour cette arène. Voilà, le kill qui est assuré, très bien. C'est vrai qu'actuellement, Typhlosion, il a le... Comment ? Il a le multi-exp. Objet, on va le prendre, et on va le donner, au Palégator, ou à la Kazam, objet. Il y a la pièce rune, oui, en pièce rune OZEF total. Donner, donc on va donner à Typhlosion les lunettes choix. Elles sont là. Le multi-exp, donner voilà, à la Kazam. C'est dans les items là d'ailleurs. Très bien, donc ce serait toujours la vive griffe, les leftovers et Krabby qui sert pas à grand chose. Pauvre Krabby. Oh, par où il faut que je passe ici? Ah, c'est par là. Ok, on descend là, on remonte ici. Ah, il y a un dresseur là, très bien. Allez, noix de coco qui arrive, noix de coco, très bien. On va pouvoir jouer le stab avec la morsure. On doit faire un bon midlife, je pense. Voilà, parfait. Le Giga Drain qui passe. Ouais, bon, ça fait pas trop de dégâts. C'est bien tanké par le Luxray. Et le kill. Ok. Bon.
Pas trop trop mal. On va avancer et on serait déjà arrivé. Ah non, on n'est pas encore arrivé. C'est un canon, c'est pas Erika. Ok, Paras qui se prend du x4 au move de type feu. Bon, on va lui donner satisfaction avec un Typhlosion. Voilà, le Giga Drain, Kid Chain. Encore du neutre hein, sur Typhlosion, hein. On n'a pas la résistance, hein, je le rappelle. Typhlosion Lunette Choix cette fois-ci. Typhlosion Lunette Choix qui devrait être quand même un bon atout pour cette arène. Vortante, oh là, Vortante. Horrible ce Pokémon, le sprite est absolument immonde. En version 3D c'est un peu moins pire, mais là, pouf, l'horreur le Vortante. Parasect, ok, toujours le x4 au type feu, on apprécie, on en profite. Voilà. D'ailleurs, j'ai été voir pour essayer de découvrir la puissance cachée de Typhlosion dans l'espoir d'avoir un petit move pool un peu plus large. Et il s'est trouvé que eh bien, Typhlosion avait une puissance cachée de type feu. Super, j'étais ravi. J'étais ravi. Alors, Erika qui nous attend en haut de son petit jardin. On va aller juste soigner nos Pokémon avant. Le Luxray, c'est fait. Et le Typhlosion aussi pour vraiment jouer la sécurité. Hop, retour. Ah, j'ai peut-être une petite potion qui traîne, c'est très bien. On va la liquider sur le Luxray. Nickel. Et maintenant, on va sauvegarder avant d'attaquer Erika. Donc, maîtresse de type plante. Je la sens bien avoir un Ludicolo quand même. On va garder le Luxray pour plus tard. On va peut-être commencer avec le Scarplan, l'envoyer au casse-pipe. Ou Typhlosion en mode bourrin. Ouais, Scarplan, casse-pipe, hein, le pauvre. Ça va être un petit peu galère de le level up ici. Faudra vraiment exploiter au maximum le multi-XP plus tard dans la partie. On commence avec Ampiflore. Ampiflore, on peut jouer un séisme en, comment dire, en attaque neutre, on va dans Slam. Poudre dodo, ça commence, ouais, ça aurait été... C'est vrai qu'une arène de type plante, sans poudre à la con, ça aurait pas été une arène de type plante. Et ça fait très mal en plus. On va roost. C'est vrai que j'ai pas un bulk spécial énorme. Hein. Et le crit qui kill le Scorplan, bon bah... Désolé, Scorplan. On va envoyer Typhlosion, du coup. Typhlosion qui va lance-flamme allègrement, lance-flamme lunette choix. On va voir combien de dégâts ça peut faire sur un Ampiflore niveau 64, c'est-à-dire le même niveau que mon Typhlosion, et c'est le one-shot. Coup critique, je ne pense pas que ça ait joué au vu des lunettes choix. Jolie fleur qui arrive. Jolie fleur qui va se prendre aussi un bon vieux lance-flamme dans la tronche. Et oui, la convention de Genève, Typhlosion, il ne connaît pas. Oh, le bulk! Lance-soleil, jolie fleur qui tank un lance-flamme lunette choix de Typhlosion. Quand même. Jolie fleur, quoi. Le truc tout petit, tout mignon, il se prend un gros lance-flamme dans la tronche. Non, il tank. Serein. Bon, très bien. Cotovol qui a envoyé Cotovol niveau 66. On chain toujours le petit lanceur. Oh, je me fais outspeed et danse fleur qui va être neutre. Sur Typhlosion, il risque de prendre de bons dégâts. Il tank. C'est très bien. Allez, on a bon espoir sur les dégâts du lance-flamme. Et... Oh, le tanking! Le tanking. Danse fleur qui est chain. Danse fleur qui est chain. En vrai. J'envoie l'extrait ou j'envoie l'extrait? Allez. Allez, non, je suis pas joueur. J'ai envoyé Krabby au casse-pipe. Faut bien qu'il serve à quelque chose, notre Krabby. Au revoir, Krabby! Tu nous as aidé à couper des petits bosquets dans l'arène, tu étais gentil! Voilà, la confusion. Parfait. La confusion, je vais en profiter pour envoyer l'Alakazam pour me set-up en espérant qu'il se prenne des dégâts.
Jute Speed, la plénitude qui fait toujours plaisir, il est confus, et il chaîne le danse-fleur, dommage. J'espère pas prendre trop de dégâts d'ailleurs sur l'Alakazam. Alakazam plus 1, ça va. Je vais encore plénitude, essayer vraiment de jouer de la confusion de Cotovol, il est toujours confus, et il se blesse, et il se kill, parfait. Tout à fait ce qu'on voulait, comme ça l'Alakazam plus se setup gratuitement. Un Vasilisque. Ah merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire, j'ai cliqué trop vite. Zut, je vais me faire ouvrir à l'éboulement. Non, ah ben ça va, ouf, j'ai eu chaud. Allez, Psycho, Psycho, je veux du gros dégât, là, la Kazama plus 3 quand même. Allez, oh, c'est même pas le kill, le bulk du Vasilis, s'il vous plaît. Bon, Vasilis Leftover, il tape sur le physique. On va envoyer le Luxray, c'est le moment d'envoyer le Luxray, hein, l'intimidation qui part, qui va nous faire gagner en puissance défensive. On va Crogivre juste derrière, ça devrait être neutre et ça kill, très bien. Super efficace, non, ça va, c'est vrai. Ok, Tropius, oui, les plantes volent de mémoire, Crogivre, il devrait pas aimer. Le Crogivre, donc le x4. Très bien, un bon midlife. Ah, le Giga Drain qui passe. Ouais. Est-ce que je tenterai pas ça qui est x2 qui est stabé? Ah non, mais normalement c'est le x4 plus efficace, mais là avec la différence de dégâts en plus, je veux tenter. C'est pas moyen de choper le kill avec l'étincelle. Non, mais bon, par contre on récupère la paralysie. La paralysie, ça c'est très bien. C'est très très bien. De gros dégâts quand même sur le Luxray. Allez, Crogivre, qui devrait nous assurer le kill du Tropius. J'adore les bananes au niveau du menton, je trouve ça tellement, tellement ridicule. Enfin, voilà, c'est drôle. Oh, sac de nœuds. Bon, heureusement, on n'a pas le boule de nœuds, et c'est son dernier Pokémon, sac de nœuds. Un bon gros bulk des familles. Heureusement, c'est pas boule de nœuds. Allez, on Crogivre. On fait que dalle comme dégâts, c'est honteux, quoi. Honteux, et il a également la Giga Sensu pour nous, Punter, allègrement. Écoutez, c'est peut-être l'heure de Typhlosion. Je pense pas que le lance-flamme suffise à tuer, parce que si c'est sac de nœuds, genre veste de combat, je vous dis pas le bulk du machin, quoi. J'ai du net choix quand même. Ah, très bien, super efficace. Pas de veste de combat, fort heureusement, sur ce sac de nœuds. Et c'est le kill d'Erika. Incroyable, le badge prisme dans la poche. Parfait. Parfait, parfait. Typhlosion lunette choix qui s'est révélé au cours de cette arène. Bon, malheureusement, le pauvre Scorplan s'est fait rouler dessus. Un peu triste. Mais bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Je vais donc enchaîner avec la prochaine arène. Je veux bien où ça va me mener. Peut-être à Parmani, ça pourrait être intéressant, Parmani. Mais bon, nous verrons cela dans le prochain épisode. Voilà, c'était Zelot. Bon jeu à tous, à la prochaine. Salut !